Coucou YouTube, comment te portes-tu? J'espère que ça va bien de ton côté. Une nouvelle vidéo assez importante, puisque après l'excellent lancement de Multiversus l'année dernière en 2022, aujourd'hui, quand on regarde un peu les chiffres, on peut se demander si Multiversus est mort. Que se passe-t-il avec ce jeu vidéo? C'était l'enfant prodigue, c'était la plus grande bénédiction pour les jeux de combat. Et ça y est, tout ça tombe à l'eau? Alors oui et non. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis allé me renseigner auprès notamment de deux personnes que je salue. Apipo, qui est un grand joueur de Mortal Kombat 10 et 11 et qui a passé beaucoup de temps sur Multiversus en compétitif. Et Marshall Gunner, qui est un copain de chez MGG que j'embrasse, qui lui a une expérience plus casue de Multiversus. Donc ça m'intéressait un peu d'avoir leurs deux sons de cloche. D'un côté, le jeu de combat à haut niveau et de l'autre, on va dire, un côté casu, puis après, il s'est quand même découvert une passion pour le jeu vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Multiversus qui serait... Eh bien mort, c'est parce que les chiffres sont assez bizarres hein, quand on regarde Multiversus. Rends-toi compte, sur Steam, on a perdu 99% de la base de joueurs actifs par jour. Genre, c'est immense. Alors, 99% par rapport à quoi? C'est un peu malhonnête. C'est par rapport au lancement. Ça a été le plus grand lancement de tous les temps, Multiversus, en termes de jeu de combat pur. Parce qu'on avait un jeu à licence, avec un aspect 2v2, avec un jeu sur PC aussi, free-to-play. C'était ultra important. Multiversus, c'est le jeu qui a fait ce que personne n'a pu faire jusqu'à présent. Et c'était incroyable. Au point où Multiversus, quand le jeu sort, tout le monde s'arrête. Et tout le monde se dit, mais attends, ça marche ces conneries? Comment ça le free-to-play, ça fonctionne? Alors free-to-play, on n'a jamais vraiment eu de grands exemples hein, dans les jeux de combat. Hein. Tekken Revolution, c'était même pas un vrai free-to-play, le jeu est un peu merdique. DOA, c'est une licence qui n'existe pas quand le jeu sort, même en free-to-play. Dead or Alive, avec tout le respect que j'ai pour cette licence. Ou encore Killer Instinct, mon jeu de combat préféré de tous les temps, quand il sort en 2013, avec un format free-to-play, personne sait ce que c'est Killer Instinct. Et en plus, c'est une exclusivité Xbox? Non, c'est pas assez malheureusement pour vraiment dire que le free-to-play va propulser ces jeux vidéo. Bon. Multiversus qui du coup, alors là on parle de Steam, mais certaines sources rapportent que sur Xbox également c'est l'hécatombe, 96% de joueurs en moins sur Xbox, pareil hein, le jeu est sur plusieurs plateformes différentes, donc a priori toutes les plateformes sont plus ou moins touchées, on n'a pas les chiffres sur PlayStation, mais je pense que c'est plus ou moins la même chose pour Multiversus. Savais-tu d'ailleurs, en parlant de Multiversus et de lancement extraordinaire et de gros chiffres, je vais te parler d'un gros chiffre, 75% des personnes qui regardent mes vidéos sur YouTube, 75% ne sont pas abonnés. C'est une dinguerie. Donc évidemment, si tu as envie de t'abonner à cette chaîne YouTube, parce que 75% c'est quand même beaucoup, évidemment soutiens énormément les projets de la chaîne, je t'y invite cordialement. C'est un chiffre officiel que je te donne, hein. Ça vient des analytics YouTube, c'est une dinguerie. Merci à toi. Alors Multiversus, je te disais que c'était le plus gros lancement de jeu de combat de tous les temps. Rendez-vous compte, hein, puisque le chiffre officiel de Warner Bros., c'était 20 millions de téléchargements en un mois. 20 millions de téléchargements en un mois. C'est énorme, c'est stratosphérique pour un jeu de combat. On n'a jamais fait ça. Si on doit faire une comparaison un peu malhonnête, hein, les ventes de Smash Bros, c'est plus de 25 millions. C'est le jeu de combat qui s'est le plus vendu à l'unité aujourd'hui de l'histoire. Bon, vous voyez que Multiversus, c'est pas trop loin, hein, ça talonne. Tekken 7, c'est 9 millions, Street Fighter 5, c'est 7 millions, Dragon Ball Fighter, c'est 7 millions aussi. Si on doit faire une comparaison extrêmement malhonnête, tu vois à peu près où est-ce qu'on pourrait positionner Multiversus. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec ce jeu vidéo? Est-ce qu'on peut vraiment tabler sur la mort du jeu? Et surtout, est-ce que c'est le free-to-play qui en fait prouve que ça ne sert à rien d'avoir un free-to-play parce que les gens finissent par se barrer? Ou est-ce que c'est le jeu en lui-même qui a des choses à redire? Eh bien, selon moi, c'est le jeu lui-même qui a des choses à redire. Le free-to-play, ici, on voit que ça a très très bien marché. Tout le monde a testé Multiversus, tout le monde. Parce que c'était gratos, parce que c'est ultra simple à lancer, parce que ça se joue sur n'importe quelle console, ça marche très bien, très vite, bon. Mais ce free-to-play, il est pas totalement exempt de défaut. Et ça, c'est la particularité de Multiversus. Si je regarde ce que me dit Apipo, il me dit, et ça c'est quelque chose que j'ai vérifié sur beaucoup d'autres articles, et personne qui en parlait sur les réseaux, c'est que l'économie du jeu n'est pas non plus la meilleure. Hein. Certains mettent en avant le prix des skins extrêmement cher sur certains aspects, ou même les Battle Pass qui sont un investissement, hein, c'est-à-dire tu payes un Battle Pass et au fur et à mesure que tu passes le niveau, tu débloques le contenu. Bon, ça, c'est un coût. Et en fait, à la fin des Battle Pass, t'avais que des skins de Bugs Bunny. Hein. Je crois que c'est 2 skins de Bugs Bunny d'affilée sur les Battle Pass. Les gens étaient assez frustrés, ils étaient en mode « Bah, pourquoi est-ce que je paye en boucle pour les mêmes choses? C'est un peu chiant. »
bon. Clairement, ça donne pas forcément envie, et les rewards, les récompenses, a priori, des Battle Pass, c'était pas forcément les meilleurs. Voilà, donc clairement, on était sur un Battle Pass d'une piètre qualité, et des skins aussi qui étaient un peu plus chers que ce qu'on aurait voulu. Ça, j'ai quand même un léger contre-argument à donner à ça, parce que par exemple, tu prends Valorant, je joue à Valorant, ok, je joue beaucoup à Valorant, les skins sur Valorant sont hors de prix. Genre, acheter un skin sur Valorant, c'est hors de prix. Au début, c'était un peu la plainte des gens, hein, quand ils ont vu les premiers couteaux à 40-50 euros, ils étaient en mode, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça râle encore un peu, mais j'ai l'impression que, bon, tout le monde a compris que c'était comme ça, et que si t'avais envie d'acheter un skin, va falloir lâcher un 40 balles, et c'est tout, tu vois. Donc, en vrai, là-dessus, je mettrais quand même un petit point d'interrogation, c'est, oui, c'est cher sur Multiversus, mais il y a d'autres jeux qui nous prouvent que c'est aussi très cher, et a priori, les gens sont tout à fait ok avec ça, hein. League of Legends, Valorant, c'est extrêmement cher, Counter-Strike, j'en parle même pas. Si vous commencez à acheter du Counter-Strike, ce n'est même pas, ce n'est même pas la peine. Deuxième point sur Multiversus qui expliquerait la baisse de popularité, et celui-là par contre je pense que c'est le plus gros point noir du jeu vidéo, c'est son contenu. Quand on regarde d'ailleurs eh bien, les récentes news quant au contenu ajouté sur Multiversus, si je ne dis pas de bêtises, le dernier personnage en date eh bien, est du 15 novembre 2022, on est au 15 mars 2023, c'est 5 mois en fait depuis le dernier personnage sorti sur Multiversus. On est en mode, qu'est-ce qui se passe? Alors que Multiversus avait quand même un rythme de sortie de personnages assez récurrent, genre littéralement toutes les semaines j'avais l'impression qu'on annonçait un nouveau perso. En plus, la saison 3 du jeu vidéo a été repoussée au 31 mars au lieu eh bien, de début mars. Pourquoi? Alors, selon l'équipe de développement, c'était pour mettre plus de temps, laisser plus de temps aux gens pour terminer le Battle Pass. Dans les faits, ça, c'est bizarre hein, quand même, tout ça. Le développement de Multiversus s'est fait avec un lancement de bêta, ce n'est pas une 1.0 pour Multiversus, ce qui veut dire que là, pendant très longtemps, le jeu n'a même pas eu de mode de jeu classé. Hein. Le mode classé est arrivé en bêta, je crois, au mois de novembre dernier. Pendant quelques jours, il y a eu une bêta et ensuite il est sorti par la suite. Mais le mode ranked n'était pas disponible pendant environ, je crois, 6 mois minimum de jeu. Ce qui fait que les gens, en fait, quand ils arrivent sur le jeu, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils dosent, d'accord. Mais, bah, s'ils ont pas grand-chose à doser à part le mode normal, les gens vont se faire chier. Prends Valorant. Valorant, quand il n'y avait pas de mode ranked, les gens gueulaient, tu vois. Les gens étaient en mode, mais on fait quoi, nous? On va se faire smurf à l'infini par des mecs qui viennent de CS. Et bon, voilà. Et Multiversus, c'était la même chose. Si bien que, et si tu as joué à Multiversus, tu t'en souviens peut-être, mais je sais qu'à un moment donné, il y avait une méta dans Multiversus qui était de regarder où était notre classement dans le classement 1v1 et dans le classement du personnage. Et les gens se battaient pour ça, et je trouvais ça personnellement un peu ridicule. Mais bon, bah, tellement les gens avaient rien à foutre dans le jeu, bah, ils se battaient pour savoir qui était le meilleur Bugs Bunny du Poitou-Charentes. Et genre, c'était un vrai bail, tu vois. Et pour un environnement free-to-play PC où t'as beaucoup de gens qui viennent bah des free-to-play plus traditionnels comme League of Legends, Rocket League, où se comparer la bite est un sport national, forcément, si tu donnes pas ça aux mecs, bah ils vont s'ennuyer parce que, voilà, et ça a donné un truc très toxique, Wonderboy dans le chat qui le dit, les gens ne rematchaient pas, ça c'était affreux, les mecs qui gagnaient, donc c'était un BO3 hein, je crois sur le jeu vidéo, dès que les mecs gagnaient une fois, ils ne rematchaient pas parce qu'ils avaient gagné leurs points, et si les mecs perdaient, ils ne rematchaient pas parce qu'ils ne voulaient pas perdre davantage. C'était la catastrophe, la cata, et ça a donné vraiment un... C'était de la merde, je pense qu'on peut le dire. Également l'absence de la guilde, tout du moins de cette espèce d'aspect social qui avait été beaucoup teasé hein, avant que le jeu ne sorte, en mode vous aurez votre espace avec votre clan, etc. Un peu à la... enfin j'en sais rien moi, un peu à la Mario Football. Ça, ce n'est toujours pas sorti à l'heure de cette vidéo, je crois, si mes informations sont correctes. Toujours pas disponible. Ensuite, les patch notes qui ont été... les patch notes sont allés du tout au tout. On a vraiment donné soit du buzz à beaucoup de persos, soit pas du tout. On s'est rendu compte qu'il y avait des hurtbox qui ne collaient pas au modèle du jeu. Donc il y a eu un gros patch note qui revoyait de fond en comble les hurtbox du personnage. D'ailleurs, en parlant des hurtbox, beaucoup de problèmes liés au serveur de jeu. Puisque sur un jeu aussi intense, pour une ou deux frames de décalage, sur un jeu avec des hitbox aussi généreuses et baveuses que Multiversus, bah, il y a beaucoup de fois où t'as l'impression de toucher, mais ça touche pas. Des fois, t'es pas censé toucher, mais en fait, ça touche. Enfin, quiconque a joué un peu à Multiversus voit très bien de ce dont je parle, à savoir à un moment donné où genre, le jeu n'affiche pas ce que tu vois.
C'est bizarre à dire. Mais voilà, et le gameplay, malheureusement, ne suivait pas par rapport à la qualité des serveurs. Et ça a créé énormément de frustration également. En plus d'une méta en 2v2 qui s'est un petit peu verrouillée autour des mêmes personnages. Là, on est sur un aspect un peu plus méta. Mais, bah voilà, la méta, elle s'est quand même consolidée. Et c'est un peu la petite goutte de frustration qui fait déborder le vase de caca. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez fou pour un jeu qui se veut quand même être un game as a service. Donc, c'est-à-dire un jeu avec un développement sur le temps, avec un suivi des développeurs qui a été quand même plus ou moins assuré, hein, parce que Warner Bros. A quand même mis les moyens. Mais bon, c'est pas assez a priori. Et si je compile tout ce que je viens de dire, prix des skins et Battle Pass peut-être un poil cher, encore que pour moi c'est pas le vrai problème. Le contenu qui s'étire dans le temps désormais, 4 mois sans nouveau personnage, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la saison 3 est en retard? Pourquoi est-ce que le maire de Rankad a mis autant de temps? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la guilde? Les serveurs, parfois, qui foutent un peu le zbeul avec un gameplay extrêmement particulier, mine de rien, très flottant, avec un aspect 2v2 qui, au final, a l'air d'être boudé, quand même. Hein. C'était le fer de lance du jeu. Au final, beaucoup boudent le 2v2 et sont en mode bah, « Votre jeu, on comprend rien. Quand on regarde les tournois de 2v2 en multiversus, on ne comprend pas grand-chose. Certes, le gameplay est fun à jouer, mais par contre, à regarder, c'est pas vraiment regardable. » Bref, ça donne un petit peu cette... décru des joueurs actifs sur le jeu vidéo malgré le meilleur lancement de jeu de combat de l'histoire, et ça c'est indéniable, ça a été le meilleur lancement. 100 000 $ à l'Evo, incroyable. Warner Bros a les moyens, mais là on sent quand même qu'on est sur un point d'arrêt à tous les niveaux pour le jeu. Donc est-ce que le jeu va se reprendre en main avec un grand patch, comme c'est un peu la mode, hein, dans les free-to-play? Rainbow Six a eu cette histoire, hein. Le jeu est super boudé, on met un giga patch qui met tout le monde d'accord. Rainbow Six, ça a fonctionné. On a des jeux comme League of Legends qui font des grands patchs tous les ans pour dire « SVP, revenez, revenez, revenez », etc. T'as forcément l'exemple d'un free-to-play qui a eu un grand patch note à un moment donné, et paf, l'intérêt du jeu est remonté en flèche. Je pense que Multiversus, c'est un peu la même chose. J'ai grand espoir que ça le soit, en tout cas, puisque... je crois que c'est un jeu qui quand même peut largement faire parler de lui encore dans les années à venir. Il boxe dans une catégorie qui est très difficilement atteignable. Il n'y a que Brawlhalla vraiment qui peut boxer dans la catégorie de Multiversus. Smash Bros, je pense qu'on peut... c'est difficile de parler de Smash Bros par rapport à Multiversus. Bref, donc voilà un petit peu la raison pour laquelle Multiversus peut sembler mort en ce moment, peut sembler en train de crever, mais je crois qu'avec un bon gros coup de pied dans le cul d'un patch note cool, une saison de contenu cool avec tout ce qu'on attend du jeu... le jeu peut repartir en flèche, largement, je pense. Le modèle free-to-play est extrêmement adapté à ce genre de bail. Par contre, il y a beaucoup de games as a service qui se cassent la gueule en ce moment. Le modèle est en crise. Royal Rumble, le jeu n'a même pas fait un an, c'est un Battle Royale jeu de combat mort dans l'œuf. Tous les projets Amazon Games, game as a service, ça se casse la gueule. On est sur une crise du modèle. Donc là, il faut que Warner Bros. Sache ce qu'ils font. Sinon, Multiversus va mourir comme les autres. Mais je crois que Multiversus ne va pas mourir. Je l'espère en tout cas, parce que c'est un jeu qui le mérite.